Très tendu et très sportif. Une grosse nuit pas compliquée. Plutôt compliquée plutôt. Donc quelle sensation après 100 mètres? Ah ça y est, déjà je commence à me décompacter déjà. Allez, GG. Je suis moins stressé. Allez, GG. À tout à l'heure. On s'enfonce dans la forêt noire. Après 5 km. Et bientôt 45 minutes, il va faire penser à boire. On continue de monter depuis le début, tout se passe bien. Allez, canne dehors. Go. Alors là, c'est un petit ravito avec du fromage. Les gens, comment? Ça va? Ouais, jusqu'à presque la moitié là. C'est ça. Un deuxième kilomètre. Col des Ors. En direction du Grand Centre. Ouh. Tout va bien pour moi. À la taille que tu veux. Du grand son. Grosse côte. Alors, petit point. 27e kilomètre. En 5h05. Il nous reste donc environ une quinzaine de bornes. On a fait les deux plus grosses attentions. Il en reste une. Non, attends, non, un petit non, peu. Ah, allez, ouais, ouais. Je laisse mes bâtons, c'est cassé. Alors, qui est-ce qu'on a retrouvé? Hey! Et Yann qui a cassé son bâton. Et il n'en reste plus que un.
Oui, voilà. À l'attaque de la dernière montée avec Yann. Il va nous rester à peine 10 bornes, même pas normalement. 700 des plus annoncés par Gérard. Donc on peut le croire, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? On le croit, Gérard, ou pas? Enfin, il dit 700 des plus qui nous reste. Ouais. On espère qu'il n'y en aura juste pas plus. Donc là, voilà. 6h15 de course. Ça va bien. Ça pique un peu. Ouais, on commence à sentir les parents.